Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le No Boost Challenge. On s'était arrêté Diamant 3 Division 4, donc c'est potentiellement le dernier épisode. Peut-être, puisque je me suis quand même fixé l'objectif d'atteindre le champion. Après, on va peut-être pas forcer, parce que bon, déjà là, je galère à vraiment être au-dessus de 50% de Moonite. Du coup, on va voir si on a quand même la possibilité d'atteindre le champion. On n'est pas très loin, donc je pense que c'est possible. On est donc avec Manor pour la première game, et c'est parti. Et on va donc prendre le premier but, malheureusement. Mon allié est parti trop devant sur une action et j'ai essayé de défendre, c'est assez compliqué. Ouais, c'est vachement dur, le truc c'est que j'ai pas de boost et il me laisse tout le temps dans des situations assez compliquées en shadow défense. C'est vraiment dommage. Ouais, là-dessus, c'est... en fait la balle était trop haute pour moi, je peux pas sans boost. C'est dommage, c'est juste à côté, peut-être qu'il peut finir. Non, dommage. C'est dommage, elle est à côté mais... il va mettre, ouais, bon, bah, cette game, je pense qu'elle va être perdue, malheureusement. En fait, je pense qu'il prend beaucoup trop de risques. Et moi, en défense, je peux pas tout assurer. Et pour le coup, la game est vraiment dure. Bon, ça va. On arrive quand même à mettre un but sur un kick-off, mais bon, il y a 1 à 4, faut vraiment avoir de la chance si on arrive à remonter. Nice. Bon, il a réussi à trouver un bump, il reste plus que 51 secondes pour mettre 2 buts, c'est assez compliqué, je vous avoue. Ah, le problème, c'est que je peux pas voler, j'espère qu'il se rate. Oh, voilà. J'arrive à contrer, peut-être un open. Ah, ça va être dur. Oh, la passe, let's go. J'arrive à trouver des bonnes passes quand même. Bon, 25 secondes maintenant pour rééquilibrer et revenir au score. Bon, c'est dommage, GG. On peut pas gagner la première, malheureusement. On avait réussi à remonter un petit peu, mais ça reste compliqué. C'est parti pour la deuxième game avec Mayroxa. Oh. Quoi? Non, ça rentre pas, ça. Oh, c'est pas possible. Non, ça va rentrer, c'est vraiment sad. Ah, c'est dommage, on prend le premier but alors qu'il avait fait un bon tir. Et la passe peut-être. Dommage, bon, il va l'avoir. Ah, c'est sad. Oh, let's go! Il a réussi à récupérer la balle et faire une passe sur le mur. Oh, let's go! J'ai réussi à la récupérer. OMG. Bon, c'est parce qu'il s'est raté, mais tant mieux. C'est vraiment dur à mettre des buts, je suis assez content. Il y a 2 à 1. On va peut-être pouvoir gagner celle-là, ça serait sympa. Et là, mon hauteur. Oh! Oh, le bump! Oh non, mais je pensais vraiment pas que ça allait marcher. J'ai mis un petit bump au mec, je sais pas si on voit ici. Bah là, juste pendant ce temps-là. Et du coup, il a eu du mal à revenir. Et ça a permis à mon allié de tirer. Let's go! 3, 1, bon, il reste 1 minute 10, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh nice, la double, elle met très très bien. Allez, s'il te plaît, tu peux la finir, s'il te plaît. Oui, oui, let's go, 4 à 1. Normalement, 4 à 1, c'est sécurisé l'équipe. Bon, j'ai compris l'idée, ça va pas être de viser le but, mais de faire des passes à mon allié ou de mettre des open. Parce que c'est trop trop dur de mettre des buts. Je peux passer un joueur, mais je peux jamais en passer deux sans boost, c'est trop trop compliqué. Bon, ok, bon, petit kick-off. Bon, les mecs ont arrêté de jouer, donc normalement, celle-là, elle est sécurisée, let's go. Et c'est un GG pour la deuxième game. Oh, la fente. Je pouvais pas aller assez vite, du coup, en fait, le fait que je shot là, ça l'a perturbé, il a sauté, let's go. Et j'y croyais vraiment pas, je te jure, du coup, c'est pour ça que je me suis arrêté, mais... j'avais pas vu, on est avec Xtra. Oh, mais non, mais où? Oh non. Ok, je l'arrête. Ok, on a peut-être un but, let's go, c'est le 2-0 qui est directement enclenché ici.
Let's go, le petit flic qui fait plaisir, il s'est jeté un dernier death pendant que l'autre a pas fait sa rota. Oula, je suis en train de débiter là en fait. J'ai 300 points, il en a 13. Je joue sans boost, les frérots. Je joue sans boost. Ouh. Je l'aurais pas. Ah, il m'a pré-shoot. J'essaye une passe, bah, c'est un peu osé j'avoue. Non, moi je la récupère. Là il va taper ça, c'est ok. Non, saute pas. On doutait. Ok, y a pas but. Let's go. Nice. On fait attention avec ces balles là, j'aime pas du tout. Ok. J'arrive à la lever. Ouais, elle est un peu galère celle-là, je vais la laisser tomber. Et je vais tirer juste. Ok, dommage, a été cadré. Ok, il pré-shoot. Oh, peut-être. Dommage. C'est bien tenté en vrai. Je pourrais pas la sauver si. Ok, il sera tant mieux. Non mais il faut défendre. Ah, c'est dommage qu'on prenne ce but. Ici c'est sa balle, c'est pas la mienne. Il part chercher du boost genre. Il aurait dû la défendre pendant que je l'ai sauvé malheureusement. Ouais, les tirs qu'ils mettent aussi les frérots. Elle va tirer. Oh non, 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 non. Pas comme ça. Arrête. Il me rend la tâche trop difficile. Oh merde. Ok, c'est pas grave. Elle passe. Dommage. Ils veulent l'avoir l'autre, non? La balle est un peu dure, mais... Il suffit de gagner du temps. Il nous suffit de gagner du temps. Et j'ai eu le contre. Oh merde. Oh, j'ai fait la pire balle du monde. Ça me casse les couilles. Oh, fais chier. J'ai vraiment pas de chance là. Ah, il y avait 2-1. J'ai trollé. Allez, vas-y. Oh, il a kebab.
Oh le tir. Oh let's go, j'étais trop concentré, j'ai trollé la game, je pouvais pas me permettre de perdre. Wouah. J'ai jamais été aussi concentré, what the fuck. Eh ce tir, notre rôle est trop dur à mettre. Alors, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est cette game où je passe le champion sans boost? Peut-être? Eh oui. C'est la victoire. Après, je sais plus combien de games. 20, 23 peut-être, un truc comme ça. 23 games, à peu près. Sans boost. Et on passe champion en 2v2. Mais quel événement. Putain, je suis trop content. J'ai 858 points dans cette game. C'est une folie. Je pense que j'irai pas plus loin. Franchement, ça commence à vraiment être dur. Même si c'est possible de jouer à plus haut elo sans boost, l'intérêt c'est de monter en solo queue. Et en solo queue, ça commence vraiment à être dur. Puisqu'on m'a déjà dit, ouais, Razmeltan, elle avait déjà fait en GC, etc. Mais j'ai demandé s'il avait prévenu ses teammates qu'il était sans boost. Et évidemment, il était avec des viewers, qu'ils étaient au courant. C'est pas une question de niveau, c'est que quand tu sais que quelqu'un a pas de boost, bah tu vas jouer d'une certaine façon et ça va être différent. Donc avec cet handicap, j'ai atteint le champion 1, je suis assez content, j'espère que le contenu vous aura plu, et je me servirai de ce compte pour faire des games pédagogiques peut-être. Donc restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, ciao ciao.